Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 11 juillet, avec un temps mythique mes raisins, mais enfin c'est déjà un peu plus... ouais, il fait 20 degrés, un peu plus chaud, 21 degrés, on va pas se plaindre. Hein. Bon, j'espère que vous avez le moral dans ce chaos qui est devenu la France. Ça va pas s'arranger, inutile de vous le dire. Alors, j'ai eu plusieurs sujets de tirage de la part de Louva Wainwright, que je remercie ici, qui m'a posé, quatre questions. Donc, on va regarder. Alors, la première, ça concerne la fondation de la femme de Zélie. Alors, Zélie, c'est celui qui préside le pays en guerre, là, Lucre, hein. Et donc, il a une femme. Alors, je ne veux pas dire le prénom de la dame parce qu'il faut faire attention. Mais son prénom commence par un O. Voilà. Et donc, elle a une organisation charitable. Ah, ben, c'est ce qu'on nous dit. Hein, qui aide les enfants de la guerre. Alors, la guerre en Ukraine. Les orphelins, en fait. Qui les aide à trouver une famille, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Bon. Ok, bah on va regarder. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses avec les enfants en Ukraine. Donc on va regarder si cette dame a vraiment le cœur sur la main. Elle est jolie d'ailleurs, hein, une jolie blonde. Ouais, c'est une jolie femme. Bon, je dis ça comme ça, hein, voilà, hein, j'ai le droit. Bon, on va demander. Allez, on va prendre mon petit jeu, on prendra éventuellement le jeu de Kate. Alors, la fondation, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, sa fondation. Non, je n'ai pas de nom. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, orphelinat aux cliniques, nanana, ouais, c'est ça. Elle s'occupe bien des enfants, hein. Ouais, bon. Ok, alors, du coup, j'ai perdu sa bouille, attendez. Voilà. Attends, je mets sur pause. Ouais, j'étais en train de lire. Alors, on va déjà demander un peu cette dame, ce qu'on peut nous en dire, parce qu'elle avait été très critiquée, je me souviens, ça vient de me revenir. Quand elle avait été, je crois que c'était rue de Rivoli, c'est pas la rue où il y a plein de magasins, là, au bout du Faubourg Saint-Honoré, enfin, je sais plus laquelle des deux. En tout cas, il y a des grands couturiers, et on l'avait vu faire les courses, dépenser 40 000 euros. Ouais, j'ai les chiffres, ouais, j'ai la mémoire des chiffres, ça m'était resté. Je sais plus ce qu'elle avait acheté, des vêtements ou des sacs à main. Enfin, j'en sais rien. Je crois que c'était des vêtements. Donc, elle avait été très critiquée quand elle était venue à Paris. Ça, je me souviens de ça. Bon. Ok. Ah, oh, elle m'énerve ce truc-là. Attendez, excusez-moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle s'occupe de mettre les enfants, alors les victimes de la guerre, hein, les orphelins, en fait, en Ukraine. Elle s'occupe de les placer. Hein. Ouais. De les placer et d'acheter des choses également pour les gens qui prendraient en charge ses enfants. Enfin, il y a des histoires d'orphelinat là-dedans. Donc apparemment, oui, voilà, c'est ça. La fondation a pour objectif de trouver des foyers permanents pour ses orphelins. D'accord. Elle lève des fonds pour un projet pilote visant à construire 10 orphelinats. Bon, ok. Donc, elle est bien en relation avec les orphelinats et éventuellement les enfants. Bien. Donc, on va déjà nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire, enfin, déjà demander, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dame. Oh. Alors, la montgolfière, le fardeau. Bon, ok. Pour l'instant, je n'ai rien de spécial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dame? Attends, je reprends sa bouille. Elle est jolie, hein, ouais. Mais bon, il faut voir si... En fait, j'ai des cartes qui sont retournées. Attendez, je vais les remettre dans le bon sens. Voilà. Faut voir ce que ça cache, cette apparence. Hein. Cette apparence séduisante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dame? Il y a deux feux d'artifice. Alors, elle écoute. Les murs ont des oreilles. Ouais. La joie du peuple. Mais il y a de l'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? La violence.
La violence par rapport au... Alors, le peuple, hein, la violence du peuple, son peuple, le peuple ukre. La femme résistante. Mais j'ai auto-sabotage quand même. Hein. La surprise. Les militaires. Bon, on est bien dans l'histoire de guerre. Ça, c'est l'effet d'artifice, mais les explosions. Alors. Bon, apparemment, elle n'est pas très gentille quand même, parce que ça, c'est le manque de cœur. C'est-à-dire que là, on nous dit que normalement, ça, c'est une femme. Alors, non, c'est la femme résistante, normalement, patriote. Mais il y a quand même auto-sabotage et j'ai quelqu'un qui manque de cœur. C'est vraiment quand on n'a pas de cœur. Donc, il y a un auto-sabotage. Là, j'ai de la violence envers le peuple. J'ai des histoires de trafic. Moi, bon, ça, c'est la carte typique des trafics. Vous voyez, on vend quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas beau. C'est en fait un peu ce qu'on vend sur le dark web. Et ça, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est non plus qui achète. Donc, ça peut être plein de choses dedans. Sur le dark web, on achète tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas des choses qui sont autorisées. Donc, j'ai les trafics, moi. La carte des trafics est sortie. Alors, j'ai bien les histoires d'explosion ici. Pourquoi j'ai une surprise? Avec les militaires. Séparation. Stratégique. Bon, là, il y a... C'est très curieux parce que là, on me parle de la guerre en Ukraine. Dans les histoires de séparation stratégique. Ça me parle de la guerre. Bon. Séparation stratégique de l'Ukraine, certainement. Qui doit être attaché à la rue, enfin bref. Ouais, bon, ça à la rigueur, on le sait, hein. Ouais, c'est un élément du Great Reset. Bon, ça, c'est les trucs stratégiques entre la guerre en Ukraine et la rue, qui est un élément du Great Reset. Ça, on le sait, d'accord? Mais c'est pas ça que je veux regarder. Moi, je voudrais regarder par rapport à sa fondation. Il faut que je me centre sur elle. Apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil. Bon, elle est quand même assez intelligente, me dit le jeu. Mais elle est très intéressée par l'argent. Hein, ça, c'est l'or. Ok. Alors, est-ce qu'on peut venir sur sa fondation maintenant? J'ai des questions de maladie ou de pourriture. Bon. Des choses qui sont cachées dans les bunkers. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les enfants? J'ai encore l'argent, moi. J'ai les trafics. Ici, j'ai de l'argent. Alors, je sais évidemment qu'il y a des trafics de gosses, on va dire ça comme ça, en Ukraine, ça, c'est vrai. Ça, je le sais. C'est connu, hein. Et là, j'ai quand même beaucoup les questions d'argent, ici et là. Mais est-ce que les enfants, elle en prend soin? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Alors, j'ai des enfants, flûte. Je joue de Kate qui est en train de qui est en train de trop glisser là. Il glisse trop bien ce jeu. Bon. J'ai des choses qui sont cachées, qui sont mises à l'abri. Bon, ça, ce serait plutôt bien. Solution. J'ai le QR code. Des choses codées. Pas, ça me parle pas d'enfant pour l'instant. Si, là ça m'en parle. Là on prend soin des enfants effectivement, on va dire, on prend soin des enfants quoi. Oui, blessés ou orphelins, d'accord. J'ai quand même des choses codées ici. Alors c'est bien. Donc elle recueille les enfants. Oui. Elle a les autorisations nécessaires, d'accord. On est d'accord. J'ai des histoires d'arbitrage. Des arbitrages, bon. Des connaissances. Bon, alors là, c'est rare que je la sorte, celle-là. Mais c'est vraiment très, très rare. Ouais, je crois que je ne l'ai jamais sortie. C'est la carte de l'usine à bébé. Alors, là, par contre, ça ne me plaît pas du tout. Les usines à bébé, les usines à petits-enfants qui sont vendues.
Oui, c'est pas bon, hein. Il y a des histoires de gens qui se disputent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, moi j'ai quand même la carte des trafics avec de l'argent, des histoires de code, des histoires de gens qui se disputent et des histoires de bébés là qui sont vendus. C'est la carte pour la GPA, mais pas que, hein. C'est vraiment les trafics d'enfants, c'est là. Je voulais une carte pour les trafics d'enfants et c'est celle-ci. Donc on prend soin des enfants, mais il y a des trafics, hein. Ok. Donc il y a des trafics d'enfants, quoi. Bon, c'est une mafia, c'est la carte de la mafia, je vous l'avais sortie la dernière fois. Bon, bah c'est pas bon, hein. C'est-à-dire qu'en fait, sa fondation, là, moi d'après ce que je vois, c'est pas fait pour aider les enfants, hein. Non. Il y a des trafics. J'ai sorti les deux cartes, hein. Trafic d'enfants et puis trafic. Donc ça se passe de commentaires. Plus la carte de la mafia. La carte des tunnels ou des bunkers. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou des secrets. L'élite. Tiens, j'ai l'élite. Ça, c'est les gens qui sont riches, hein. L'élite dans les bunkers ou des gens qui se cachent à l'abri, quoi. Ok. Qui donne des instructions. Qui donne des instructions. Ouais, bon, d'accord. Alors là, on me dit de mettre les lunettes. Parce que c'est un truc qui va très haut. Qui va très très haut. Qu'est-ce qu'on nous cache encore? Il y a une vérité là. Vous avez vu, je l'ai sorti. Là, les pédalos. Merde, pardon. Oh là là, non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, écoutez, j'ai quand même beaucoup de cartes. J'en ai plus de 300 ici. J'ai quand même sorti que des choses négatives pour les gosses. Celle-ci, voilà. Je la sors pas tout le temps, hein, mais quand je la sors, elle a vraiment une signification extrêmement claire. Donc, son organisation. Alors, reprenons. Là, on avait l'histoire de guerre. Hein. On va laisser. On sait qu'il y a la guerre. On sait que la guerre, c'est en fait une condition sine qua non pour faire le Great Reset. Bon, ça, on va laisser de côté. C'est une information intéressante, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qui m'intéresse, ce qui me dit, c'est que les enfants, oui, on les recueille, effectivement. C'est marqué là, avec l'oiseau blessé, là. Donc, on les prend. Oui, on les prend. Mais et moi, j'ai les trafics. J'ai la carte des trafics. Alors, il y a des questions d'arbitrage. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a des gens qui se disputent dans son organisation. Est-ce que c'est des histoires de chantage éventuellement? Parce que là, il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui a des connaissances. Il y a des fichiers, enfin, pas des fichiers, mais des livres qui sont entassés. Donc là, le petit bibliothécaire, il est content parce qu'il a des informations. Alors, est-ce qu'elle a des informations sur des gens et ça lui permet de faire des arbitrages avec des histoires de code, des histoires codées, là? Hein? Pourquoi pas? Et moi, j'ai vraiment des trafics d'enfants. Hein. Franchement, je les ai sortis. Hein. Ici, là, et c'est par rapport à des gens qui sont riches et qui sont dans des bunkers, donc ils sont à l'abri. Alors, est-ce qu'elle est ma carte de bunker? Elle est en dessous. Ah, je suppose qu'elle est, ah, elle est repartie. Bon, ça m'apprendra. En tout cas, c'est une mafia. Oui. Bon. Il y a beaucoup d'histoires d'argent. Et moi, on me dit que cette dame n'est pas gentille. Ça, c'est le fait, vous voyez, le cœur est sec. Donc, pour faire ce qu'elle fait, c'est évident. Donc là, vous voyez, là, le gars, il est complètement étonné parce que, avec ses lunettes, il voit la vérité. Et la vérité, c'est ça, hein. La vérité, c'est que ces gosses sont utilisés pour des trafics de pédalo. Voilà. Ah ben, elle est là, le bunker. Donc c'est caché. C'est très sécurisé d'ailleurs. Un bunker, c'est sécurisé. Et c'est pour les élites. Bon, ok. Ah ben d'accord. Je vous dis, je vais finir par en perdre le sommeil, moi. Alors, les pauvres gosses. Est-ce qu'on peut nous confirmer? Mais enfin bon, avec toutes les cartes que j'ai sorties, j'ai pas de doute, quoi. Ils se tiennent les uns les autres. Voilà. Ils sont ligotés parce qu'ils sont tenus les uns les autres, vous voyez?
Donc c'est, il y a des histoires de chantage là-dedans. Donc elle doit avoir des dossiers sur les élites, hein, je pense. Alors ça, les gens, on leur raconte des contes de fées, il y a de l'enfumage, ouais. Donc en fait, les gens qui défendent sa fondation, ben, c'est un conte de fées. Bon, ok. Première réponse, premier petit tirage. On peut demander rapidement à Kate, parce qu'elle a un super jeu. Je vous conseille, moi j'aime beaucoup son jeu, les mots. Hein. Voilà, les mots. Alors on va les prendre comme ça, c'est plus facile pour moi. Parce qu'elle glisse tellement bien que je n'arrive pas à les prendre. Bon, ok. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Madame Oh, olé, 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 olé. On va voir si Kate, elle est d'accord. On va prendre que trois cartes. Voilà, je prends pisse. Hein. Voilà, hop. Bon, bah c'est... Oh là là, oh là 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 là. Ah bah alors là, là c'est encore pire. Rouler dans la farine. Oui, donc c'est... Vous voyez, c'est... Moi, j'avais quoi comme femme? J'avais une fausse résistante avec le cœur sec. Eh bien là, j'ai la carte de Maleficent, donc maléfique, avec une dame avec des cornes. Avortement, donc ça, c'est ça c'est la destruction de la vie, hein. Vous voyez? Et ça, c'est roulé dans la farine. Donc, cette dame-là, elle n'est pas du tout, elle est pas du tout gentille. Elle est peut-être très jolie, mais elle n'est pas du tout gentille. Non. Voilà, le clown maléfique. Alors, qui jongle. En plus, le clown, c'est en relation avec les enfants. Hein. Bon, elle est protégée. Vous voyez, regardez. Ça, c'est personnel data. Moi, je pense qu'il y a des histoires de chantage. Pour moi, elle a des dossiers aussi. On avait vu hein, les élites avec les enfants. Vous avez la carte des pédalos. Donc, elle doit avoir des dossiers sur les élites qui utilisent ces gosses. Qu'est-ce que je vous dis? Ce monde, il est horrible. Ah ben, d'accord. En plus, c'est dans l'Europe. Bon, ça, c'est des gens qui portent des masques. C'est pas forcément... C'est pas forcément la pollution. Ouais, regardez, c'est les petits-enfants, ça. Ouais. Oh, bordel. Miracle. Bah, il faudrait qu'il y ait un miracle pour ces gosses, hein, mais... Bon, dis-nous ce qui se passe avec les enfants. Et puis, en plus, il y a ça. Bon, alors, moi, j'ai sorti la carte des pédalos, et dans le jeu de Kate, j'ai cette carte-là. D'accord? L'adréno. OK? Donc, c'est mauvais. J'ai que des mauvaises cartes pour cette femme. Donc, c'est Louva, hein, Louva Wainwright. Ben, c'est la fondation de cette Olé Olé. Ça cache des trafics de gosses qui sont apparemment donnés à des élites. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Hein, après, bon. Mais j'ai que des mauvaises cartes sur cette femme. Hein. Alors, ben, vous savez quoi? Je vais vous poster ce petit tirage. Non, je vais vous en faire un deuxième. Allez, je vais vous en faire un deuxième. Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette vidéo un jour après. Entre-temps, je me suis reposée. Et donc, je vais continuer. Alors, entre-temps, j'ai encore trouvé un autre sujet. C'est celui de Candace. Alors, son nom, c'est O-W-E-N-S, il me semble. Journaliste américaine dont vous avez peut-être entendu parler, qui a repris l'analyse, ou plutôt l'enquête de Natacha. Natacha R. Alors, je suis obligée de dire comme ça, parce que, bon, c'est pas qui écoute, n'est-ce pas? Qui avait fait toute une enquête sur Brimich. Hein. Oh, vous êtes au courant quand même. Bon, enfin bref, la journaliste avait repris donc les éléments d'enquête de Natacha et elle avait trouvé encore d'autres éléments qui nous disaient bien que Brimich, c'est Brimich. Voilà. Donc, c'est un monsieur et pas une dame. Mais elle a perdu son travail quelques jours après, je crois. Bon. Donc là, elle est indépendante et elle revient à la charge. Hein, et elle est fermement décidée d'en découdre et de dire la vérité au monde, en tout cas aux gens qui n'ont toujours pas compris que Brie c'est Brimich, voilà. Et donc on va regarder un petit peu si elle va y arriver cette fois, parce que on lui a mis des bâtons dans les roues, hein, vous avez compris, hein, on lui a fait perdre son travail, les médias mainstream l'ont taxé de je sais pas quoi, de complotiste, de tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Ces gens-là, c'est... Vous savez, le pire, c'est pas les pourris qui nous gouvernent. Le pire, c'est les gens. C'est tous les gens qui sont complices. Et ça, c'est vraiment le pire du pire. Parce que si tous les gens, tous les journalistes avaient tant soit peu un peu d'intégrité, de moralité, ils auraient dit non, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je refuse de mentir.
Mais non, l'appât du gain, la sécurité financière, la corruption est passée par là. Et ce sont des gens qui en fait, qui trafiquent avec la vérité et qui sont complices du fait que la France est sous l'égide d'un psychopathe, quoi. Ils sont tous coupables, hein, tous complices, tous coupables. Bref, donc cette femme, belle et intelligente, hein, voilà, c'est des qualités qu'il faut nommer quand même, eh bien, est courageuse également. Et donc, elle est décidée de révéler la vérité. Alors, on va demander, est-ce que cette fois, elle va y arriver? Voilà. Et est-ce que ça va changer des choses? Alors. Bon, bah là, on me parle plutôt des sous. D'accord. C'est autre chose. Mais est-ce que tu veux bien te concentrer sur Candace? Parce que oui, je sais qu'il va y avoir des problèmes financiers. C'est tellement fort comme ce qui va arriver là maintenant au niveau des finances que ça risque de ressortir dans mon jeu. Donc, il faut vraiment, vraiment que je me concentre sur elle. Va-t-elle réussir son pari, parce qu'il y a un pari aussi avec un autre journaliste qui lui a parié 100 000 dollars que Brie était une femme et elle a dit non, pari tenu, moi je vais prouver l'inverse. Donc bon. Alors ça c'est elle. Je pense que c'est Candace. Hein, voilà. Elle a quand même. Ouais, elle a quand même une position qu'elle va conforter parce que c'est quelqu'un qui est très talentueux, je pense. L'étoile, oui. Elle se concentre sur ses objectifs, les amoureux. Alors ça peut être le couple maudit, je pense. Alors, est-ce qu'elle va arriver à faire la lumière sur ce couple maudit, justement? Mais il y a l'étoile en face, hein. Donc il y a des choses qui sont pas mal. Attention aux trahisons, la justice. Et là, on prend le bateau, on s'apprête à prendre le bateau. Alors, la justice, moi j'ai envie de dire que c'est elle qui apporte la justice, mais il y a quand même une trahison. Alors, est-ce que c'est elle qui va être trahie ou est-ce que c'est les gens qui ont été trahis? La justice, c'est une trahison avec des mauvaises nouvelles financières. Bon, elle va être enquiquinée, hein. Ouais, je pense qu'il y a encore des gens qui vont essayer de l'empêcher de faire son travail ici. Certainement. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y aura quand même la justice. Alors, à moins qu'elle ne soit menacée de procès, mais c'est quand même une bonne carte, la justice. La justice, là, il y a un homme. Ça peut être évidemment Brimich. Une famille. Le diable. Oui, non mais. Bon, c'est très intéressant les cartes que j'ai. Moi, je pense qu'elle va avoir une décision à prendre. Elle va tomber sur des trucs. C'est peut-être pour ça que j'ai le choix. Elle va tomber sur des trucs. J'ai pas trop le détail avec ça. Mais regardez, j'ai encore le diable. Ça, je pense que c'est Brimich. Ça, c'est les histoires de famille. Vous voyez? Qui donne un enfant. Il y a un homme et une femme qui donnent un enfant. Et là, j'ai le diable. Alors, évidemment, l'enfant, vous avez compris de qui il s'agit. Moi, je pense que c'est notre cher Caligula. Et là, il y a le diable. C'est manipulation, perversion, SEX, hein, c'est tout ça. Despotisme. Donc, elle va tomber sur des choses, et elle va tomber sur des choses tellement graves que c'est sans doute pour ça qu'il y a un choix à faire. Bon, alors le choix va-t-il être fait pour nous délivrer la vérité? Il y a quand même la notion de faire des choses en secret. Vous savez, je pense qu'elle va tomber sur des choses tellement, tellement fortes, tellement puissantes, qu'elle va devoir aller voir d'autres personnes en secret. Il y a une femme, vous voyez, elle est cachée. Alors, c'est mon interprétation. Je sais que le 6 d'épée, il y a d'autres interprétations. Moi, je regarde ce qu'il y a sur la carte. Et moi, je vois une femme qui se déplace en secret. Voilà, pour aller voir d'autres personnes et peut-être pour demander conseil par rapport à ce qu'elle va trouver. Parce qu'à mon avis, elle n'est pas au bout de ses surprises. Donc là, elle va peser le pour et le contre. Vous voyez, il y a une proposition, invitation. Un homme. Elle va aller demander conseil. Alors peut-être à Xavier, je ne sais pas. Qui c'est cet homme? C'est pas si facile que ça. Il y a un homme qui risque d'y perdre aussi, mais il y a des choses qui bougent. C'est pas si simple qu'elle le pense, même si j'ai l'étoile. Parce que je pense qu'elle va tomber sur des trucs.
encore pire que ce qu'on pourrait penser.